Pour votre information, au niveau du parquet, l'avocat ne représente pas les parties. Les parties sont assistées par les avocats. C'est ce que nous aussi, nous sommes en train de faire. Nous assistons nos clients. Sauf qu'à ce niveau ici, on ne peut pas se faire représenter. Il ne faut pas oublier que dans ce dossier, il y a quatre préventions au parquet. Vous allez poursuivre Ndeko Moïse Mbillé. Il y a le viol, il y a l'avortement forcé, il y a le menace de mort et attentat lapidaire, vie et élément, il y a obscène. Au publié qui n'a pas réseaux sociaux à l'égard de notre cliente. Donc, nous surtout, ce sont des préventions graves. En tout cas, ce que nous pouvons rassurer les gens, ils vont suivre notre communiqué. Bah, à Colanda, communiqué de presse d'Ambisso après 13 heures. Les collectifs s'est alourdi. Nous sommes déjà au nombre de 46 avocats. Nous avons enregistré la présence d'un doyen, d'un ex-membre à Conseil de l'Ordre, Maître Gérard Lady qui n'est pas présenté. Maître Francis Kalombo qui n'est plus à présenter aux Congolais et beaucoup d'autres avocats et d'autres cabinets, bah, organismes et à défense et à droit de l'homme qui sont venus en rescousse et à Ndekonabiso Eliane pour que justice soit faite et au Kenya dossier jusqu'au bout. Ceux qui sentaient de répondre étaient en tout cas, il faut moi une fiche médicale pour attester que le monsieur vit ça, incompatibilité pour se présenter. Et j'ai une monopolité de Balobaké Moutoua Zobela. Il faut qu'il y ait un document, un médecin pour attester. Même ceux qui le donnent aussitôt que le fait est grave, ceux qui attaquent à côté, ils hospitaliser, le parquet va se déplacer pour aller l'attendre là où il sera, même dans l'instance hospitalière où il est à la côté. L'audience du passé Mbillé n'est pas au-delà des revendications des magistrats quand même. Parce que Moïse Mbillé, il est justiciable comme tout le monde. Hein? Il n'a ni privilège ni immunité. C'est un citoyen congolais. Il est poursuivi par le parquet général. La présomption d'innocence, les profits de jusqu'ici, mais nous attendons. Lorsque la grève sera levée, nous allons travailler. Et les choses seront faites proprement. Il n'est pas sauvé parce qu'on ne les connaît pas. On ne l'a pas sauvé parce qu'on ne les connaît pas, mais nous disons que les choses doivent être faites de manière propre et professionnelle. Abonnez-vous, abonnez-vous. Nathalie Villa TV Mondiale. Nyasala ona lobaka awa. Yo le kaka wapi? Ti bazo yo koto le kaka kota. Ka ni afu comprendre ma solution zan ngene nini. Awa pneza no tapi ma mtu kare. Que vous soyez fidèle pasteur, avocat, magistrat, lorsque vous commettez des actes contraires à la loi, au contraire, nous pouvons répondre conformément à la loi. C'est ce que nous espérons. Mais c'est cela notre crainte. Nous appelons au gouvernement de très prendre en compte la grève des magistrats très rapidement pour que Bissoto soit libre de travailler et de continuer la cour de cette affaire. Bon, il faut comprendre que Yaza correspond à un comportement qu'il en a commis contre client à Bissot. Eliane ne se plaît pas contre l'église tout de même. Organisation à l'église, surtout à l'église de réveil du Congo, en rapport à la continuation à côté à pasteur Mbillé, c'est une organisation interne. C'est une organisation interne. Si l'église veut tel groupe qu'il peut continuer à prêcher, ou il peut d'abord arrêter, procès continuer, c'est
nous ne pouvons pas leur donner un conseil. En tout cas, ce que nous pouvons rassurer les gens, ils vont suivre notre communiqué. Bah, à Kolanda, communiqué de presse Nambiso après 13 heures. Le collectif s'est alourdi. Nous sommes déjà au nombre de 46 avocats. Nous avons enregistré la présence d'un doyen, d'un ex-membre du Conseil de l'Ordre, Maître Gérard Lady qui n'est pas présenté, Maître Francis Kalombo qui n'est plus à présenter aux Congolais, et beaucoup d'autres avocats et d'autres cabinets, bah, organismes à défense et à droit de l'homme qui sont venus en rescousse et à Ndekonabiso Eliane pour que justice soit faite et au Kenadosio jusqu'au bout. Je ne réponds jamais à la rumeur, chers camarades. Rumeur, nga la répondra na yangote. Ceux qui abélient toi en bonne santé, nous les serions devant les magistrats. L'audience du passé Mbié n'est pas au-delà des revendications des magistrats quand même. Parce que Moïse Mbié, il est justiciable comme tout le monde. Hein? Il n'a ni privilège ni immunité. C'est un citoyen congolais. Il est poursuivi par le parquet général. La présomption d'innocence, les profils jusqu'ici, mais nous attendons. Lorsque la grève sera levée, nous allons travailler. Et les choses seront faites proprement. Il n'est pas sauvé parce qu'on ne les connaît pas. On ne l'a pas sauvé parce qu'on ne les connaît pas, mais nous disons que les choses doivent être faites de manière propre et professionnelle, n'est-ce pas? Moïse Mbié ne bénéficie ni privilège ni immunité. C'est un pasteur parmi tant d'autres. C'est ce qu'on appelle le réveil spirituel. Ceux qui croient en lui continuent à le suivre, n'est-ce pas? Mais nous, magistrats, il ne peut pas nous remercier parce que la grève n'est même pas faite aux poursuites judiciaires. Nous disons tout simplement qu'aujourd'hui, et jusqu'à ce que les revendications soient satisfaites, l'instruction va recommencer. Et s'il est dedans, il va répondre. S'il ne l'est pas, la presse va le dire. Et les choses seront connues à la portée du monde. N'est-ce pas? Je vous remercie. Notre parti. Et c'est tellement qu'il a tout intérêt. Donc je pense que ça ne sert à rien. Donc je ne peux pas commenter ce qui se passe. Il a fui, il n'a pas fui ou quoi que ce soit. Mais ce que je sais, le Congo a signé plusieurs conventions avec plusieurs pays. Et qu'au cas où quelqu'un tenterait de se soustraire de la justice congolaise, et bien, d'autres pays pourront rattraper la même personne et pouvoir le juger ou le renvoyer en République démocratique du Congo, puisque nous avons des conventions avec plusieurs pays. Donc, nul lieu ne peut le servir de refuge. Donc, je pense que la meilleure façon serait de venir, et je pense que le bon sens pourrait animer le prévenu de pouvoir revenir et répondre aux convocations des inspecteurs ou de magistrats. Bon, pour votre information, au niveau du parquet, l'avocat ne représente pas les partis. Les partis sont assistés par les avocats. C'est ce que nous aussi nous sommes en train de faire. Nous assistons nos clients. Sauf qu'à ce niveau ici, on ne peut pas se faire représenter. La représentation se fait au niveau des tribunaux, mais pas au niveau du parquet. On assiste simplement son client, mais on ne le représente pas. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous savez que la vie de notre cliente est en danger et on prend des mesures, l'État congolais prend de certaines mesures pour pouvoir la protéger puisque sa vie est effectivement en danger. Voilà pourquoi vous ne la verrez pas apparaître à tout moment. Et d'ailleurs, nous vous demandons, vous de la presse, on comprend, vous faites votre travail, mais aidez-nous aussi à faire notre travail. C'est-à-dire nous avons l'obligation, les devoirs aussi de l'aider, de la protéger, de la conseiller, sa manière de se conduire aussi, puisque ça passe trop dans le média, ça passe trop. On vous comprend, hein, on ne vous reproche rien, vous êtes obligé d'investiguer, de faire votre boulot, mais nous aussi on est obligé de faire notre boulot, c'est-à-dire de conseiller, et l'État aussi est obligé de faire son travail, c'est de protéger les citoyens. Donc sa vie étant en danger, et elle est obligée de se faire protéger, voilà pourquoi vous la voyez pas. Et sachez-le que dans les jours à venir aussi, ces apparitions seront un peu beaucoup plus rares, puisque nous avons décidé avec les confrères de pouvoir mettre certaines garanties, et surtout dans sa communication aussi, pour ne pas permettre à ce que les éléments qu'on est en train de faire puissent fuiter et servir aussi à l'adversaire, afin de pouvoir voir comment y échapper. Plus ça va être secret à ces niveaux ici, plus ça va l'aider dans l'avenir. Et ne pas seule victime. Depuis ce week-end, on a reçu plusieurs victimes aussi qui sont venues nous solliciter et nous pensons que la situation n'est pas seulement telle que vous l'avez relayée dans le média, telle que vous pensez, mais c'est quand même beaucoup plus grave. Faire de votre mieux pour avoir quelques informations pour donner à ceux qui suivent, mais ce n'est pas la volonté de nous autres en tant qu'avocats, puisque à ces niveaux ici, nous avons intérêt. C'est vrai que vous faites votre travail, vous sondez, vous sollicitez, et d'ailleurs, aujourd'hui, même en France, même en Europe, on voit ça. La presse est tellement mieux informée même que certains avocats. Donc, on vous dit coup de chapeau, mais ce n'est pas de notre volonté de pouvoir le faire. Nous, on est des professionnels, nous faisons notre travail et vous faites le vôtre. Et si ça se croise, c'est bon. Bon, il y a des informations qui sont réelles, sont vraies. Mais certes, il y a d'autres aussi que,
que vous n'avez pas. Il y a d'autres éléments de ce dossier que vous ne détenez pas. Donc, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas tous les éléments que nous gardons. Et le moment venu, vous allez le savoir, puisqu'on finira par être devant des juges. Et devant les juges, les audiences étant publiques, eh bien, tout va se dire, va se savoir. Il y a Biron a été, donc c'est un peu ça. Et là, nous sommes confiants, comme je l'ai toujours dit. Nous faisons confiance à notre justice, mais aussi aux magistrats et au parquet général. Nous allons comprendre ce dossier, qu'on traite avec beaucoup de sérieux. C'est jusque là, donc favoritisme moi les alliés que non voilà le parquet les lots où il y a bah magistrat, bah collègue il y a bah magistrat Moussousou, bah estima qui bon bah grévé et grève n'a pas monde permettre biso bah avocat et tout en la carte c'est bah installation il y a bah magistrat. Mais cela ne nous empêche pas parce que tu es bien que les lots où il y a qui forment journée mon déterminative pour n'accroluka quoi soirée bah élément auto présenté qui n'a niveau à parquet parce que les lots il fallait bas ça la analyse il y a bah élément non mon abisso na ba confrère Moussousou toyé un peu na ba matériel ba outils surtout susceptible à remettre un peu pour faire la lumière dans ce dossier. Mais bon, nous avons estimé qu'aujourd'hui la grève mais jusque là donc rien n'est encore perdu. En fait, on ne sait pas et là il faut poser la question pas ya ba to ba kambaka la justice na ba ndeko no surtout ya ba syndicat ya ba magistrat. Grève va reprendre fin quand même. Je vous informe que le magistrat qui devait nous recevoir, il est toujours dans son bureau et nous, à notre niveau, tout s'est retiré sans que tout finisse un peu dans les cambo ou les lots. Raison pour laquelle tout s'est retiré un peu, qu'on peut s'en aider avec les amis pour nous dire comment est-ce que nous allons voir le magistrat qui instruit. Parce qu'aujourd'hui, devoir on a fait ça la main. Parce que nous voulons que ce dossier, et comme nous avons dit, on doit finir avec ça. Vous devez comprendre qu'ici nous sommes na parquet. Nengue collègue Nabiso Francis Kalombo Alobi, l'estimé confrère Francis, na parquet les avocats assistent. Et puis na parquet bah avocat bazara passif. Donc il y a le client qui est là, toi tu l'assistes. Donc question bah retourne au client, le client t'en répond lui avocat Rolobate. Donc il est de son intérêt mais c'est mieux de venir répondre de lui-même pour les cas à la step par. Ceux qui sentent eux répondre étaient en tout cas il faut moi une fiche médicale où ils ont attesté que le monsieur vit ça incompatibilité en se présenter. Et ça il n'a mon côté de Balobaka qui m'ont toujours bel. Il faut qu'il y ait un document moro pour un médecin où ils ont attesté. Même ceux qui le donnent aussitôt que bah fait grave. Ce qui est à côté, à aller hospitaliser, le parquet va se déplacer pour aller l'attendre là où il sera, même dans l'instance hospitalière où il est à la côté. Et le remorote, donc nous continuons toujours à garder nos preuves. Bah, preuve, on a mis ce soumetteur qui est déjà devant le parquet. Donc, jusque là, tout ça, on a niveau à parquet. Moutako Sabino, qui a longue, non. Là, ce sont des interprétations. Il y a bien des internautes, il y a bien des journalistes. Nous ne voulons pas qu'on cote à Ming na Katsuana. Mais pour ce qui nous concerne, tu as dit que le dossier est encore en cours. Le parquet est en train d'instruire. Et je vais un peu analyser l'élément. Et les gens ne doivent pas oublier que dans ce dossier, il y a quatre préventions au parquet. Ils allaient poursuivre Ndeko Moïse Mbille. Il y a le viol. Il y a l'avortement forcé, il y a le menace de mort et attentat lapidaire, vive élément, il y a obscène, au bas publié qui n'a pas réseaux sociaux à l'égard de notre cliente. Donc, nous, surtout, ce sont des préventions graves. Donc, vous ne devez pas oublier que dans ce dossier, il y a quatre préventions au parquet, vous allez poursuivre Ndeko Moïse Mbille. Il y a le viol, il y a l'avortement forcé, il y a le menace de mort et attentat lapidaire, vive élément, il y a obscène, au bas publié qui n'a pas réseaux sociaux à l'égard de notre cliente. Donc, nous, tout là, ce sont des préventions graves. Vous devez comprendre que Mundekombi et Soso continuent à prester des cousines internes à Bango, ils allaient leur papa à Bango, ils allaient boire à Bango à famille. En tout cas, je vois moi mal avocat n'a interdit dans moto au PC héritage à papa à Bango à Bandako prêcher. Là, il faut demander à tout Bakambaka à l'église. Mais le rôle des abords à Bango à parler, en tout cas, tout côté en la quantité. On est à cousine interne à famille. Abonnez-vous. Nathalie Villa TV Mondiale. Nga sala ona lo baka awa. Yo le kaka wapi. Ti bazo yo koto le kaka koto. Eka ine apu kompani ma solo zan nenge nini. Awa pinezano. Ta pi maram tu kare.